C'est bien, donc on ouvre dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, puis on va lire du verset 1 à 13. Donc je commence la lecture, puis s'il y en a qui veulent suivre dans la lecture, vous pouvez aussi le faire. Donc Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël. » Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est bien, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait vu là l'apôtre Pierre qui a donné sa deuxième prédication. Puis on pourrait dire que cette chose-là s'est arrivée peut-être environ 3 mois après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on avait dit que le Seigneur Jésus, quand il était dans la chambre haute, avec ses disciples, avant de les quitter là, pour aller au ciel. Il lui avait annoncé sa mort, mais il lui avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais aussi, il lui a promis de leur envoyer un autre consolateur qui allait venir après lui. Puis cet autre consolateur, c'était le Saint-Esprit. Donc, il avait pu dire à ses disciples que si lui ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Donc, il faut qu'il s'en aille. Puis, on sait que le Saint-Esprit est vraiment venu sur eux le jour de la Pentecôte. Donc, on a vu ça dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Puis, juste avant ça, Jésus, là, leur avait apparu pour la dernière fois
parce qu'après qu'il est mort, il est ressuscité, mais il a apparu à ses disciples pendant 40 jours pour leur démontrer qu'il était réellement ressuscité. Puis il les avait dit, si vous lisez dans les Actes au chapitre 1, il les a dit avant de partir au ciel, vous allez recevoir une puissance. Donc il parlait du Saint-Esprit là. Vous allez recevoir une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis ça nous dit, pendant qu'il leur disait ces choses, il fut enlevé, il fut élevé. Ils l'ont vu partir. Puis pendant qu'ils regardaient Jésus s'en aller, il y a deux hommes qui sont venus vêtus de blanc pour leur dire, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous au ciel? Ce Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. » Donc Jésus est parti. Mais Jésus les avait promis qu'un autre allait venir. Puis on sait que c'est 10 jours après son ascension, quand ils étaient dans la chambre haute, là, à Jérusalem, c'est là que le Saint-Esprit est venu. Puis les disciples, à ce moment-là, ont été remplis du Saint-Esprit. Puis si vous vous rappelez, là, il y avait beaucoup de peuples, là, juifs, qui se trouvaient là ce jour-là, parce que c'était la fête de la Pentecôte. Beaucoup de personnes étaient là, des milliers de personnes. Puis c'est ce jour-là que Pierre a donné sa première prédication. Puis on avait vu que, après cette prédication, plusieurs ont eu le cœur touché. Ce n'était pas la majorité, mais il y en a plusieurs qui ont eu le cœur touché ce jour-là par le message de Pierre, puis ils ont été convertis, ils ont été sauvés. Ils sont passés de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à la lumière. Puis ça nous dit que les disciples ont augmenté en environ 3 000. Puis après ça, on avait vu qu'ils ont été baptisés, puis ensuite on voit le travail qui allait se faire là, parmi eux par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus les a quittés, le Saint-Esprit est venu pour les remplir de sa puissance, puis ce que Jésus a demandé à ses disciples de faire, ils vont l'accomplir. Si on n'avait pas les actes des apôtres pour nous le dire, on se demanderait qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus les a donné le commandement d'être ses témoins. Mais dans le livre des actes, on voit qu'ils ont accompli ce commandement-là. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu aussi la semaine passée, c'est que Pierre et Jean avaient monté au temple là, pour l'heure de la prière. Puis, si vous vous rappelez, il y avait un homme là qui était boiteux de naissance. Ça fait déjà plus que 40 ans qu'il était dans cet état-là. Puis il n'a vu des personnes qui a passé devant lui, parce qu'il plaçait devant la porte du temple pour qu'il quête les gens, pour qu'il demande de l'aumône. C'était le même qui pouvait gagner sa vie, qui pouvait avoir de la nourriture à manger en demandant l'aumône. Mais ce jour-là, Pierre et Jean sont arrivés devant cet homme-là. Puis on avait dit que probablement que Pierre et Jean veulent aller au temple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent là, puis c'est dans le but vraiment de communiquer la parole de Dieu, communiquer l'évangile, de parler de leur sauveur. Ils sont partis sans savoir comment les choses allaient se passer, mais je crois bien qu'avant de partir, ils ont prié le Seigneur pour qu'il leur donne du courage et de la force de pouvoir parler pour son nom. Puis si vous vous rappelez, c'est cet homme boiteux-là, là, quand il a demandé l'aumône à Pierre et Jean, Pierre a dit, « Nous n'avons ni argent ni or. Ce qu'on a, on te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Puis cet homme-là s'est levé, il a commencé à marcher, à sauter, puis il se tenait à côté de Pierre et de Jean. Puis vous pouvez vous imaginer la foule qui se trouvait là, qui avaient vu cet homme-là pour des années, à la porte du temple, boiteux, qui ne pouvait pas se déplacer lui-même. Puis là, tout d'un coup, par un miracle, cet homme-là se met à marcher et à sauter.
Donc, toute la foule est venue là. Puis c'est là encore qu'on a vu la semaine passée que Pierre va encore prendre l'occasion pour parler du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ. Puis il va leur dire que ce n'est pas à cause de nous que cet homme-là est guéri. Ce n'est pas par notre puissance. Ce n'est pas par notre piété. Il a été guéri par la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le Seigneur Jésus de Nazareth qui l'a guéri. Donc, Pierre vraiment a été très fort dans sa prédication là, pour dire à ce peuple-là, parce que c'était vraiment les Juifs qui se trouvaient là. Puis il va leur répéter ce qu'il a dit vraiment dans le deuxième chapitre, que ce Jésus de Nazareth qui a marché parmi vous, vous l'avez mis à mort. Vous l'avez renié, puis vous l'avez mis à mort. Puis c'est là qu'il y a encore lancer l'appel, là. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Pierre parlait à tout ce peuple. Puis le verset 26, le dernier verset du chapitre 3, il lui rappelle ici, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour bénir, vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, vraiment, Jésus est venu premièrement pour son peuple, pour les Juifs, vraiment. C'est vers les autres qu'il était censé devenir premièrement. Mais on sait que comme nation, ils ne vont pas le recevoir. Ils ne vont pas reconnaître que c'est lui, le Messie promis, que les prophètes avaient annoncé longtemps d'avance. Donc, ici, on va voir ce soir la réaction maintenant des chefs religieux. Donc, Pierre et Jean parlaient au peuple, mais là, les chefs religieux vont se présenter. Puis, qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Que c'est vraiment ici, là, au début de l'Église, qu'un combat va prendre place, une opposition va s'élever. Parce que le moment qu'on veut parler du Seigneur Jésus, qu'on veut communiquer le message de l'Évangile, on va rencontrer l'opposition. Donc, il n'y a pas de message de l'Évangile annoncé sans qu'il y ait de l'opposition qui prenne place. Puis Jésus l'avait dit à ses disciples qu'ils ne seront pas plus grands que leur maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Mais qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Comment que les disciples vont réagir face à l'opposition de ces chefs religieux-là, qui avaient une grande autorité. Vous savez, c'est une des grandes autorités qui se trouvait en ce temps-là, là. La religion juive et cette secte des pharisiens et des sadducéens, c'était vraiment une forte autorité. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean vont faire face à cette autorité? Puis on pourrait peut-être aussi l'appliquer pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, on va faire aujourd'hui quand que les autorités veulent nous empêcher ou nous arrêter de parler de Jésus? Comment est-ce que nous, on va réagir? Donc, on va voir comment est-ce que Pierre et Jean ont réagi face à cette opposition. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas annoncer le message de l'Évangile sans rencontrer l'opposition. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres choses à ajouter, là, avant qu'on commence le chapitre 4. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Il y a un miracle qui est signalé, qui a été accompli, qui est évident pour tous. Aujourd'hui, les gens voudraient nier ce que nous rapporte la parole de Dieu, comme si les gens de ce temps-là étaient incapables de constater et de rendre témoignage de ce qu'un boiteux, un homme qui avait été toute sa vie boiteux, qu'ils avaient vu depuis des années, et qui soudainement se met à marcher comme si c'était une chose de rien. Mais on voit, on ne s'est pas rendu jusque-là dans le chapitre 4, mais on voit au verset 14 hein, que les chefs religieux voyaient près des apôtres qu'ils voulaient reprendre. Ils voyaient cet homme qui avait été guéri. Et on voit au verset 13 qu'ils disent hein, « Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. »
Donc, la réaction première, si on peut dire, de ces chefs religieux, ce n'est pas de se réjouir de ce qu'un homme boiteux a été guéri. Mais malheureusement, leur réaction première, c'est de rejeter l'évidence de cette guérison qui s'est opérée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est opérée au nom de Jésus. Et on sait qu'ils ont eux-mêmes crucifié et rejeté le Seigneur Jésus. Donc, le signal d'alarme que ça l'envoie, c'est pour ceux qui entendent la parole, de faire attention, de ne pas faire comme ces hommes et de rejeter le message de Jésus-Christ avec des, on peut appeler ça des faux prétextes. Moi, souvent, quand je parle à des gens, ils me disent, c'est comme si ces gens-là étaient des ignares, des idiots, plus ou moins, incapables de reconnaître quoi que ce soit. Et les miracles que Jésus avait faits, ce n'étaient pas des vrais miracles. Mais s'il y a des gens qui étaient intéressés à nier et à rejeter ce miracle qu'on vient de lire, c'est bien ces souverains sacrificateurs, c'était leur but principal, leur action, leur pensée première de rejeter ce miracle. Et c'est une fausse piste. Notre cœur devrait plutôt chercher à comprendre comment ces apôtres nous rendent témoignage au péril de leur vie, de ces choses qui sont arrivées. Mais qu'est-ce que ça leur a jamais rapporté? Ce ne sont pas des gens qui sont morts riches et célèbres, c'est des gens qui sont morts persécutés et méprisés. Ils ont donné leur vie pour rendre témoignage de ce qu'ils ont vu, et certainement, la raison pourquoi ils l'ont fait, c'est parce que ce dont ils rendaient témoignage, et ils le savaient, c'était la vérité. Mais peut-être la question qu'on pourrait demander, pourquoi ces chefs religieux-là, c'était pas n'importe qui ces gens-là. C'était des gens qui avaient une connaissance de la parole de Dieu, surtout la parole de l'Ancien Testament, concernant les livres de Moïse. Même c'est des personnes qui connaissaient ce que les prophètes avaient annoncé. Mais qu'est-ce qui peut faire que des personnes, après avoir entendu tant de la parole, puis plus que ça, même Jésus est venu parmi eux, le Messie promis, puis avec les miracles que Jésus a fait, toutes les évidences des miracles qu'il a fait, qu'est-ce qui fait que des personnes comme ça restent incrédules? Qu'est-ce qui fait qu'il les empêche de se tourner vers Dieu? Est-ce qu'il y a des raisons qu'on pourrait dire qui causent ou qui font que des personnes, même face à de telles évidences, peuvent continuer à rester opposées? Est-ce qu'il y aurait des raisons qu'on pourrait donner, qui est la cause pour leur rejet, là? Vraiment, Léon, je ne sais pas comment répondre à cette question-là, parce que effectivement, ils ont zéro raison de rejeter. Ils savent que c'est vrai, que cet homme a été guéri, et ils savent que personne ne peut faire une chose semblable. Pourquoi est-ce qu'ils le rejettent? C'est vraiment un mystère. Comment le péché peut enténébrer l'homme pour le forcer, l'empêcher de voir l'évidence, la réalité, la vérité? La Bible nous parle du mystère de l'iniquité. Et ce que j'en comprends, c'est qu'on dirait plus on s'enfonce dans l'iniquité, plus on devient enténébré et incapable de reconnaître. Donc, ils ont vraiment rejeté l'œuvre de Dieu, le témoignage de Dieu, si on peut dire ainsi. Et c'est vraiment renversant de penser que ces hommes, ce n'est pas un homme seul, c'est plusieurs ensemble. Ils sont plusieurs et ils sont comme d'un commun accord, prêts à rejeter l'évidence au profit de leur tradition, au profit de ce qu'ils cherchent à protéger, parce qu'il faut bien comprendre que ces hommes sont des hommes religieux et qu'ils ont leur religion, qu'ils veulent garder et protéger, et ça les empêche de voir l'évidence qui est devant eux. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est ça une des raisons. Et c'est parce qu'ils veulent maintenir leur position, leur autorité. Ils ne sont pas prêts vraiment à
prendre cette place d'humilité puis de repentance face à des évidences qu'ils ont vues là, parce qu'on voit qu'il y a d'autres chefs religieux. On peut voir que Nicodème, si vous vous rappelez de Nicodème dans Jean au chapitre 3, lui aussi faisait partie de ces chefs religieux-là, parmi les pharisiens. Mais on sait que Nicodème est venu voir Jésus, ça nous dit pendant la nuit, peut-être parce qu'il avait crainte des autres, parce que les autres cherchaient à faire mourir Jésus ou à se débarrasser de lui. Mais Nicodème a quand même eu du courage, même face à ces personnes-là qui savaient qu'ils allaient s'opposer à lui. Mais ça, c'est une chose que si on va venir au Seigneur Jésus, ça prend un courage. Ça ne prend pas quelqu'un qui est lâche, parce que de venir au Seigneur Jésus, c'est faire face à beaucoup d'opposition. On fait face à un contre-courant, parce qu'on vit dans un monde qui est sous la puissance du mal. Donc ces hommes-là, même on lit dans Jean chapitre 8, ils préférèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc pour moi, qu'est-ce qui est la cause que des personnes face à de telles évidences peuvent rester dans leur état là? C'est l'orgueil, premièrement, puis aussi qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Vous savez que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, on voit probablement comme, si vous vous rappelez Pharaon, quand que Moïse avait été le voir pour lui demander de laisser sortir le peuple d'Israël pour qu'il se rende dans le désert pour adorer Dieu, vous vous rappelez que Pharaon a refusé. Puis même si on lit par la suite face à des plaies que Dieu a envoyées sur Pharaon et l'Égypte, ça nous dit que on dirait quand la plaie venait, Pharaon était comme repentant. On dirait qu'il allait laisser aller, mais aussitôt que la plaie s'enlevait, ça nous dit qu'il endurcissait son cœur. Il a endurci son cœur. Plusieurs fois, nous lisons ça. Mais à un moment donné, ça dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc, c'est la même chose avec ces chefs religieux. C'est pas que Dieu les aime pas, c'est pas que Dieu veut pas les sauver, parce qu'il y en a parmi eux qui ont été sauvés. On voit ça plus loin encore, là, plusieurs même parmi eux ont été sauvés. Mais pour être sauvé, pour prendre position pour Jésus, il faut être prêt à renoncer. Comme Pilate aurait pu vraiment prendre position pour Jésus, mais Pilate a voulu garder sa position de gouverneur. Donc chaque personne, si on va être sauvé, même Jésus l'a dit, il faut s'efforcer d'entrer par la porte étroite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous empêcher. Donc, c'est là qu'on peut voir, pour moi, les évidences là, qui peuvent faire que des personnes fassent à de telles évidences, puis qui restent endurcies, qui restent fermées, qui restent incrédules. Hein? Donc, on va au verset 1 donc, du chapitre 4. « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. » Donc, on peut voir, là, pendant que Pierre et Jean parlent au peuple, que ces chefs religieux-là ne sont pas là à ce moment-là. Là. Mais là, ils vont arriver. Puis, je voudrais dire une autre chose, peut-être, avant d'oublier, là. C'est que toute religion, vous savez que ces hommes religieux-là représentaient la religion juive, le judaïsme. C'est ceux qui étaient à la tête, c'est ceux qui étaient en autorité, qui étaient en pouvoir. Puis toute religion qui a pris place après, le judaïsme, vous savez que ça a été fondé par les hommes eux-mêmes, oui, par leur philosophie ou par leur tradition ou par quoi que ce soit. Puis être associé à n'importe quelle religion de ce monde aujourd'hui, si quelqu'un qui se trouve dans une religion quelconque, ça peut être catholique, ou protestantiste, ou ça peut être l'islam, ça peut être le bouddhiste, ça peut être l'hindouiste,
toute personne qui va vouloir prendre position pour Jésus, pas pour être associé à la religion, seulement vouloir prendre position pour Jésus, il aura à rencontrer l'opposition de la religion dans laquelle il était associé, là, vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on va voir dans le chapitre ici. Donc, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, donc les prêtres, les hommes de la religion. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. On peut vous le dire par expérience. Ça fait déjà plusieurs années passées quand que l'Évangile est venu parmi nous. Puis on a voulu faire connaître ce message-là autour de nous. Les personnes qu'on a eu des conflits ou qu'on a rencontré l'opposition, c'est vers les gens religieux. Vous savez, ceux qui dirigent les religions de ce monde. Donc, ils se lèvent ici, puis ça nous dit qu'ils étaient mécontents. Ils n'étaient pas contents. Pourquoi qu'ils n'étaient pas contents? C'est parce que Pierre et Jean enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, pourquoi que ces hommes-là n'étaient pas contents que Pierre et Jean parlent de Jésus et de la résurrection des morts? Quelle est la raison pourquoi qu'ils ne sont pas contents? On devrait être contents d'entendre un message de même, mais pourquoi qu'ils ne sont pas contents? Parce qu'eux-mêmes, ils ont rejeté l'autorité et le nom de Jésus. Donc, ça vient les condamner indirectement. Même, on peut penser assez directement. Mm-hmm. Puis ça, c'est bien triste, vraiment. C'est une chose quand quelqu'un ne veut pas recevoir Jésus et qu'il ne veut pas croire en lui. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils veulent empêcher les autres de venir à Jésus. Puis ça, ça m'est arrivé souvent en visitant les personnes. On peut arriver dans un building, appartement, puis on commence à visiter, puis il y a une personne qui s'oppose, qui peut te dire, on ne veut pas que tu viennes chez nous. Et on ne veut plus que tu mettes le pied chez nous. Ça, c'est correct. Moi, je suis prêt à respecter la décision de la personne qu'elle ne veut pas entendre ou qu'elle veut juste rejeter le message. Mais souvent, le problème, c'est que cette personne-là veut empêcher le serviteur de Dieu de l'annoncer aux autres dans le building. Puis il va faire tout son possible pour nous faire sortir de là. Hein? Donc, c'est ça qui est triste. On voit ça aussi dans Thessalonique, hein? Ce que Paul dit. Les Juifs, ils se sont opposés, mais ils empêchent les autres de venir à Jésus. Oui? Mais pour moi, leur jugement va être très sévère pour des personnes qui auront refusé le Seigneur Jésus, mais qui auront été des obstacles pour les autres. Et c'est ça, c'est vraiment triste. Donc, ils ne sont pas contents que les disciples parlent. S'ils parlent de la résurrection des morts, c'est parce qu'ils ont parlé, premièrement, de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est qu'ils ont dit clairement que celui que vous avez mis à mort, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Donc, le Jésus que vous avez mis à mort, il n'est pas dans le tombeau. C'est ça qu'ils veulent dire. Il est maintenant ressuscité. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est là que Jésus se trouve présentement. Hein? Donc, pour nous chrétiens, Jésus est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Mais ces chefs religieux-là ont voulu le garder dans le tombeau. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis même une garde après que Jésus est mort pour être sûr qu'il ne va pas sortir de là. Mais Jésus est bien sorti de là. Donc, s'il y a eu une résurrection de Jésus, il y aura aussi une résurrection des morts. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas croire que ceux qui sont morts vont ressusciter. Ils refusent de croire ça. Pour beaucoup de gens, quand on est mort, c'est terminé. Il n'y a plus rien après. Puis une des raisons que les gens veulent penser de même, c'est qu'ils veulent penser mangeant et buvant quand demain nous mourrons. Ils ne veulent pas avoir la pensée de rencontrer un Dieu un jour. Donc, ils veulent faire taire
cette pensée-là de la résurrection des morts. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 5, si vous vous rappelez, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, les autres ressusciteront pour le jugement. » Donc, il y aura une résurrection des morts. Puis si vous voulez avoir un chapitre de la Bible qui enseigne sur ce sujet-là, la résurrection des morts, c'est dans 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul parle de tout un chapitre, vraiment, pour prouver que Jésus est réellement ressuscité. Donc, si Jésus est ressuscité, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, quand que Jésus va venir chercher son Église, puis ensuite, 1000 ans plus tard, ceux qui ont refusé de croire en Jésus vont ressusciter aussi, mais pour être jugés à cause qu'ils ont refusé de croire au Seigneur Jésus. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre pense ici? On se pourrait se poser la question, d'où viennent ces gens, sacrificateurs et les commandants du temple, avec les Sadducéens, il y a toute une troupe qui arrive soudainement. Donc, on peut voir que ce bruit de ce miracle s'est rapidement répandu. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les... Il ne se textait pas, comme on dirait. Et ça n'existait pas. Mais le bruit courait, surtout devant une telle nouvelle. Et ce bruit qui a couru rapidement et ces gens qui accourent, c'est aussi un témoignage de ce que ce miracle était réel et véritable. Il y a eu tout un branle-bas combat. Et c'est ce qui a éveillé l'attention de ces, on pourrait dire, les surveillants de la religion juive ou de ces chefs de la religion juive, parce qu'eux n'étaient pas sur place lorsque le miracle est arrivé, mais ils ont vite entendu parler de ce qui est arrivé, ils ont su ce qui en était. Ils n'arrivent pas comme des innocents ou des ignorants là, dans un chemin de quai, dans un jeu de quai, là, ils savent qu'il se passe des choses. Mm-hmm. Donc maintenant, mettons-nous à la place de Pierre et de Jean, là. Vous savez, c'est une chose de parler au peuple quand le peuple est prêt à écouter, quand il n'y a pas d'opposition. Vous savez, ça arrive souvent quand on va avec l'Évangile. Parfois, on arrive dans des endroits, une porte est ouverte, puis on peut annoncer le message, il y a des oreilles qui sont prêtes à écouter, mais s'il y a des oreilles qui sont prêtes à écouter, c'est pas longtemps après que l'ennemi va venir. L'ennemi va venir. Donc, ce Pierre ici, là, qu'on lit, c'était le Pierre que 3 mois plus tôt, avait renié son maître, avait renié le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez que Pierre, quand que Jésus avait dit là, qu'il devait partir, Pierre a dit, « Moi, Seigneur, je vais aller avec toi. » Mais il a dit, « Tu ne peux pas venir maintenant. » Mais Pierre avait dit au Seigneur, quand même que Jésus avait dit que ses disciples allaient l'abandonner, il avait dit, « Moi, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur. Moi, je suis prêt à y aller jusqu'à la mort pour toi. » Vous vous rappelez de ça? Puis le Seigneur avait dit, « Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Avant qu'il chante une fois, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre ne voulait pas croire ça, parce que Pierre, à ce moment-là, n'avait pas vraiment reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir prendre position pour le Seigneur. Il pensait qu'il pouvait faire ça par ses propres forces. Puis vous vous rappelez que Pierre a renié le Seigneur 3 fois, puis il a été grandement attristé. Vous vous rappelez de ça? Quand que Jésus avait tourné ses regards sur lui, là, Pierre a pleuré amèrement, parce qu'il n'avait pas la puissance. Mais ici, c'est le même Pierre, c'est 3 mois plus tard, puis dans la même place où que Jésus a été pour être jugé par ses chefs religieux-là, dans le Sanhédrin. Jésus était là aussi. Oui. Donc maintenant, Pierre est là, puis Jean aussi. Jean, on peut voir, c'était le disciple que Jésus aimait, le disciple qui était peut-être plus timide, peut-être, on pourrait dire. Oui. Plus retiré, mais Jean, on peut voir qu'il était un homme courageux, parce que 3 mois avant, vous vous rappelez que Jean avait, lui, entré là, dans la place où il était après juger le Seigneur, mais Pierre n'avait pas voulu entrer. Donc ici, on voit les deux mêmes personnes,
Puis là, on voit, après qu'il parle au peuple, qu'est-ce que ça dit? Les chefs religieux mirent les mains sur eux. Les chefs religieux les arrêtent. Et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre et Jean à ce moment-là. Et quand que les hommes en autorité viennent pour mettre la main sur eux, les jeter en prison, parce que c'était déjà le soir, donc ils ont passé la nuit en prison. Mais on peut se rappeler de Paul et Silas, qui avaient été jetés en prison dans les Actes des Apôtres, plus tard. On peut voir comment les autres ont réagi, Paul et Silas, puis probablement que Pierre et Jean ici, moi j'aime à penser qu'ils étaient bien tranquilles dans la prison, même après que les hommes les ont arrêtés. Puis probablement qu'ils ont prié dans la nuit. Peut-être aussi qu'ils ont chanté des louanges à Dieu, des cantiques à Dieu. Ils savaient qu'ils étaient dans la prison pour la cause de l'Évangile et rien d'autre. Puis Jésus les avait annoncé ça d'avance. Et c'est pas quelque chose qui va être c'est peut-être nouveau, qu'est-ce qui leur arrive, mais Jésus les avait annoncé d'avance que s'il allait parler de son nom, qu'il rencontrait de l'opposition comme ça. Donc, dans la prison, ça dit qu'ils vont être jetés là jusqu'au lendemain. Donc, qu'est-ce que vous avez des pensées là? Je voulais signaler une fois de plus que ce sont, comme tu l'as mentionné, ils ont des gens d'autorité. Ils ont le pouvoir de faire beaucoup de choses. Et entre autres, il leur aurait été extrêmement facile de jeter à terre, si on peut dire, cette foi chrétienne qui était en train de naître, tout simplement en révélant le corps de Jésus, si Jésus n'était pas ressuscité. S'ils avaient pu mettre la main sur le corps de Jésus, ce qu'ils n'ont pas fait. D'ailleurs, tout le témoignage rendu dans Jérusalem au nom de Jésus de Nazareth qui était ressuscité, ça leur a été une risée pour tous ces gens-là, si ce n'était pas vrai. Donc, c'est un vibrant témoignage à cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est rendu ici. Il faut quand même réaliser que cette résurrection de Jésus, ce n'est pas un message qui est apparu 100 ans après le début du christianisme, si on veut dire ainsi. C'est vraiment à l'origine du christianisme. C'est avec la résurrection de Jésus que démarrent toutes ces choses. Et c'est le moteur derrière tout ce mouvement, si vous voulez, de Dieu. C'était voulu de Dieu qu'il en soit ainsi. Et encore une fois, donc, ces gens, malgré leur pouvoir, malgré leur bras long, ils jettent les apôtres en prison, ils ne prennent même pas le temps d'en délibérer maintenant, ils remettent ça au lendemain, eux pourront moisir en prison pendant que nous, on va retourner dans nos maisons et se réjouir comme on voudra. Mais ces gens-là n'ont quand même pas été capables de détruire ce témoignage de Jésus au niveau de la résurrection pour la simple et bonne raison que c'est vrai et que le corps de Jésus n'a pu être trouvé, bien qu'il y avait, comme tu l'as mentionné, Léon, même une garde qui avait été mise pour surveiller ce tombeau. Donc, c'est un puissant témoignage, encore une fois, de vérité qui devrait tous nous encourager. Comme tu disais, Léon, ça aurait dû être un sujet de grande joie pour tout le monde, parce que cette résurrection de Jésus nous annonce que nous ne sommes pas esclaves de la mort. Nous avons un autre but que de vivre cette vie ici-bas. Et nous vivons ici-bas en attendant la résurrection. Donc, en attendant notre tour, si on peut dire d'une certaine façon. Et il y a donc forcément quelque chose après cette vie. Dieu fait toutes ces choses, non pas en fonction de cette vie que nous vivons maintenant, mais en vue de la vie à venir, qui viendra après. Donc, toute notre attention doit être portée vers ce que Dieu met devant nos yeux. Et cette réalité de la résurrection nous parle de cette réalité aussi du jugement. Pourquoi Christ a été ressuscité? C'est parce qu'il est mort. Et pourquoi est-il mort? Ce n'était pas un accident de parcours. Parce que les disciples l'ont dit, hein, c'est ce que les prophètes ont annoncé
successivement, on a vu ça au verset 24, chapitre précédent, depuis Samuel qui était celui qui est venu après Moïse, et puis là, ils parlaient eux de Moïse, et après Moïse, Samuel et tous les autres prophètes ont tous parlé de Jésus et de sa résurrection, du jugement à venir et du pardon qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un message merveilleux, et comme il est triste que ces gens rejettent ce message, et non seulement ils le rejettent, mais comme tu le disais, ils sont en plus mécontents, ils sont fâchés de cette situation, de cette annonce. Et là, dans leur colère, ils mettent la main, ils veulent s'en prendre à l'œuvre de Dieu. Ils veulent détruire ces hommes, ils veulent les empêcher d'agir. Mm-hmm. Puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 mois avant, ils avaient mis Jésus à mort. Pour les autres, Jésus n'était pas ressuscité. Et même qu'ils ont eu des preuves, mais ils refusaient de croire. Pour les autres, Jésus est toujours dans le tombeau. Mais là, ici, c'est une preuve de la résurrection de Jésus. Par l'homme qui a été guéri, puis aussi par la puissance qui accompagne ses disciples, ses apôtres. Et parce que les disciples, vraiment, ils vont continuer le travail du Seigneur Jésus. Pendant que Jésus est avec eux autres, Jésus les a préparés, si on peut dire. Jésus est parti, mais là, c'est eux qui continuent le travail. Puis qu'est-ce qu'on dit au verset 4? J'aime à penser aussi que les chefs religieux, là, pendant cette nuit-là, ils n'ont pas dû dormir beaucoup. Pour moi, ils ont dû être agités. Parce que vous savez, avec l'autorité qu'ils avaient, là, ça peut paraître grand, leur autorité, mais face à la lumière, ou face à la parole de Dieu, la plus grande autorité de cette terre n'a aucune force. Et parce qu'en étant avec Jésus-Christ, en étant avec la lumière, vous savez, la lumière va toujours chasser l'obscurité. Donc, au verset 4, « Cependant, donc c'est ça qui est beau, qu'est-ce qu'on lit au verset 4, là, les apôtres sont en prison, mais il y a eu un travail de fait par leur message. » Et peut-être que les apôtres ne sont pas au courant de ça, là, ici. Mais cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Donc, c'est ça qui devrait nous encourager. Si on sème la parole de Dieu, on l'annonce, le message, nous, on n'est pas là pour voir les résultats. On est là pour faire le travail que Dieu nous demande. Mais je crois qu'il y aura toujours des résultats associé à l'annonce du message de l'Évangile. La parole de Dieu va toujours faire son œuvre. Puis vous allez remarquer à mesure qu'on va avancer dans les actes, à chaque fois que le message va être annoncé, il va avoir l'opposition, mais il y aura des âmes qui vont être sauvées. Donc, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, donc c'est ceux qui ont entendu là, le message de Pierre et de Jean, là, beaucoup de ceux qui l'ont entendu crurent. Donc, il y en a vraiment qui ont pris position pour le Seigneur Jésus. Ils ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus. Et le nombre des hommes, ici, il mentionne les hommes, il aurait dû avoir des femmes aussi, là, ou des enfants, mais il mentionne le nombre des hommes s'éleva environ 5 000. Donc, vous vous rappelez au chapitre 2, c'était environ 3 000, mais maintenant, quelques jours plus tard, quelques semaines, le nombre des disciples augmente à 5 000. Donc, on voit que l'Église progresse. Et Jésus avait dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc, à mesure que l'Église avance, les âmes sont sauvées, le diable va se déchaîner davantage pour opposer, mais il ne pourra pas arrêter. Il ne pourra pas les arrêter. Donc, le verset 5, « Le lendemain, les chefs du peuple, je vois que le temps est passé là. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. » Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est pourtant seulement 2 hommes qui étaient là en train de parler, des hommes sans instruction, des hommes simples, même les hommes pauvres de la société, mais qui étaient remplis du Saint-Esprit. Il avait amené toute une agitation là, parce que ça a tout rassemblé ces hommes religieux-là. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Puis là, il mentionne les grands personnages. Hein? Les grands personnages à la vue des hommes. Mais pour Dieu, ce n'est pas des grands personnages. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race
des principaux sacrificateurs. Donc, il les appelle la race. C'était tout un peuple, là, ces gens-là. Donc, ils étaient tous là, rassemblés, parce qu'un miracle avait été accompli, un homme avait été guéri de ce maintenant qu'il pouvait marcher. Ça les avait tous bouleversés. Puis aussi, que les apôtres continuent à parler de Jésus ressuscité, puis qu'ils parlent de la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Donc, deux hommes au milieu de tous ces grands personnages-là. Deux hommes bien simples. Des hommes qui faisaient la pêche. Des hommes à la vue du monde qui n'avaient pas grand valeur. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent. Puis là, ils posant la question. Vous savez que cette question-là a été demandée aussi à Jésus. Si vous lisez dans Matthieu 21, là, il avait demandé aussi à Jésus ce qu'il prenait son autorité pour faire ce qu'il faisait. Ici, il demande à Pierre et Jean par quel pouvoir ou autorité ou au nom de qui avez-vous fait cela? Donc, c'est ça la question. Où est-ce que vous avez pris l'autorité ou le pouvoir pour faire cela? Puis des fois, les personnes nous demandent aussi la même question. Où est-ce que vous prenez l'autorité pour annoncer le message que vous annoncez? Donc, je vois que le temps est passé, là, donc on pourrait peut-être garder ça pour la semaine prochaine pour répondre ou voir ce que les apôtres ont répondu à ces hommes-là. Là. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres pensées pour terminer ou des questions, sinon on va terminer par la prière. J'avais juste une petite question ou réflexion. Parce qu'il est dit de la race des souverains sacrificateurs, je voulais juste préciser qu'on sait que selon la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, il devait y avoir un seul souverain sacrificateur. Il ne devait pas être plusieurs. Et quand celui qui était souverain sacrificateur mourait, alors son sacerdoce était transmis au suivant. Mais donc, il n'y en avait pas plusieurs qui vivaient en même temps. On peut trouver étrange, donc, dans la religion juive, qu'il soit arrivé à cette corruption où il y avait plusieurs souverains sacrificateurs. Je ne sais pas si tu as entendu la même chose que moi là-dessus, Léon, mais il semble en effet que les Romains, qui étaient quand même en autorité sur les Juifs, eux voulant éviter que le pouvoir soit trop dans les mains d'une personne et que ça leur créerait potentiellement des problèmes, avaient divisé comme le pouvoir. Et ce qu'ils faisaient pour ça, ils forçaient les Juifs à changer de souverain sacrificateur à chaque année ou quelque chose du genre. Donc, ça expliquerait pourquoi il y avait... à ce moment-là, plusieurs souverains sacrificateurs en même temps. Mm-hmm. Puis on peut voir aussi que quand on est éloigné de Dieu, c'était des gens qui représentaient, qui étaient censés de représenter Dieu. C'était les gens qui étaient censés enseigner le peuple de Dieu. Mais à cause de leur éloignement, de leur endurcissement, ils avaient ajouté beaucoup d'autres choses là, à leur religion. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas les accepter vraiment. Ben, c'est bien, donc on va terminer par la prière, puis on pourra reprendre la semaine prochaine. Frère, veux-tu terminer? Prions. Ô notre Dieu Tout-Puissant, merci pour ces textes que nous pouvons considérer. Père, tu nous as donné ta parole qui rend témoignage historiquement de ce qui est arrivé, la vérité, des choses qui sont réellement arrivées. Non seulement elles sont arrivées, Seigneur, mais tu en avais rendu témoignage d'avance. Parce que le témoignage de Pierre et de Jean, véritablement, c'est de dire que cela est arrivé conformément à ce que les prophètes avaient annoncé successivement, les uns après les autres. Et Seigneur, s'il y a cette continuité au niveau du message, un message qui a été étalé sur des centaines, voire même plus de 1000 ans, Seigneur, s'il y a cette continuité, c'est en raison de l'auteur véritable, qui est toi. Seigneur, c'est toi qui as ces choses en ton cœur. C'est toi qui as depuis le commencement en ton cœur de libérer l'homme du péché et du fardeau du péché, de la responsabilité criminelle du péché. Car devant ta face, tous sont pécheurs et condamnés. Mais notre Dieu,
Ton cœur désire que nous soyons purifiés, lavés, afin de rétablir cette communion avec l'homme, avec nous, chacun de nous, individuellement. Et Père, c'est ce témoignage que tu rends. Nous lirons dans les versets qui viennent comment c'est là le commandement qui vient de Dieu, que nous rendions témoignage de ce témoignage que tu nous as donné toi-même en faisant ces choses, en permettant que ton Fils, lui, non coupable, porte nos péchés à nous, les coupables. Et Seigneur, tu rends ainsi témoignage devant la face du monde de ton amour pour les hommes. Seigneur, nous t'en rendons grâce parce que c'est là le message qui nous donne de l'espérance dans ce monde qui se meurt. Et tous, Seigneur, nous marchons vers notre fin. Et à quoi bon si ensuite il n'y a rien? Mais loin de là, tu nous as révélé au contraire, et c'est le témoignage que nous voulons entendre encore maintenant, qu'après cette vie, il y a une autre vie. Il y a une résurrection. Et que nous pouvons passer cette autre vie devant ta face, dans la joie et la quiétude, où nous pouvons être rejetés loin de ta face. Si nous rejetons nous-mêmes ce témoignage de Dieu, comme l'ont rejeté ces hommes qui n'ont pas voulu entendre la vérité malgré les évidences qui étaient mises devant eux. Père, permets que tous ceux qui entendent ces choses ce soir entrent en eux-mêmes, dans leur propre cœur, et considèrent ce que toi, tu as fait, et le témoignage que toi, Seigneur, tu rends à travers nous et à travers ces choses. En Jésus-Christ. Amen. Amen.